prevention, prevention précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Moi, Laurent Désiré Kabila. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo. Mais on changera nécessairement parce que j'ai dit, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et lui de PES, ça sera la première, le premier parti à respecter la constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays d'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Bonjour, tout bonsoir. Ça dépend de l'endroit où yo bokolanda biso. En tout cas, comme d'habitude, on a live na biso et à l'ilo. Comme vous le savez, la RD Congo, je dis toujours, ezaloko la Bible, dans le sens où vraiment makambo yo esi la raté na katambo kawana tous les jours. Chapitre Moussousou, Nassou, chapitre Moussousou. Donc, s'il y a vraiment, au Balba, qui fongo la Bible, totala, dans la carte à Congo, je ne sais pas ce qui te fongo la Bible, nini, peut-être fongo la Bible, nini, pour na, to, yeba, est-ce que, ils ont avancé, tozako avancé, t'sé. Mais la situation reste toujours presque n'engemoko, comme, Tolobaki Nabino depuis hier, la situation ezako évolué vraiment te makasi. Et Mboka ezako traversé situation moko très compliquée et qui demande beaucoup de réflexions de notre part, surtout biso tozana libanda ya Congo. Nous sommes en dehors du pays. Nous devons réfléchir encore en tant que de grandes personnes, essayer un peu de donner un élan pour la nation, parce que ce qui peut être le bitotique à la cima, total et la kaka batouana, azana kata Congo, binomoroboyebi, les aventures politiques, oesana maranambo kawana, des fois, eko kamusa bino, eko lekela bino peuple congolais. Alors, lelo, qu'est-ce que nous allons débattre ici? Nenge to tuko tchana ba titre awa. Nous allons parler de la visite, en tout cas
to éviter moins que ne balbarage le chef de l'État azanga calendrier té et que bayeba ki ango mais biso de notre part. Attendez, je vais vous mettre le titre rapidement ici pour que tous à l'abino bien to tiens au téné bandeli donner nous juste une minute ici to mega rocha titre nase awa nenge to salaki depuis lobby. Voilà, donc une minute peuple congolais pour que to fixe rapidement ce que nous voulons rapidement ici faire. Voilà, rapidement. Voilà. 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 Voilà, en tout cas, moi, Bolimbi Simke, c'était juste pour nous coacher à titre, pour nous couper sa meilleure compréhension. Nabatutu Nenge Bozali, Ko Landabiso, en tout cas, na live awa. Yangoto Lobaki, Tochaka, ba titre boye pour la meilleure compréhension. Voilà. Je disais ici que la situation politique est à quoi évoluer, ndenge yango est à quoi évoluer, tokolobela makambo yo est à quoi le kanakati ya Congo, politique est à quoi le kanakongo, ndenge yango est à quoi kende, tokolobela visite ya Paul Kagame, oyo amegiko tinda batunaye, baya na Congo, qu'est-ce qu'ils ont venu faire là-bas, hein, bango, toyebi ke, position ya Paul Kagame, mais aye ko lukanini atindi batunaye baya ko lukanini nakati ya Congo. Est-ce que Bayeli Félix Tshisekedi message d'urgence? En tout cas, toro mega rediscuter en haut awa, tout le monde en a nos messages nini bango ba memeli Félix Antoine Tshilombo pour na ba assurer peut-être sur l'avenir cause d'or. Ba assurer pour makambo ko ya lobby to ko ya lobby kuna to ebité. Toko lobela réunion mususu ya batu ya Fatshi Béton et tu ko salama. Jean-Marc Kabunda teni une réunion là-bas. Oyo Bisika Azaki na ba député à FCC, il a sorti des vérités en face et je vous assure les vérités là a choqué les gens de Moïse Katumbi. Alors ba tuami tuna yugo tu question Francis Kalombo oya fingara Fayulu tous les jours Francis Kalombo azomona na te ake wapi. Alors Kalombo na kobanga wana Kalombo uchi ko bima ah, ou tu ça l'interview, et pas bien. Ah, n'est-ce pas, comme il va attaquer l'équipe, alors il doit faire l'interview, le plus vite que possible pour, sinon, t'es battu, ou non. Et quoi attendre, et puis, ça, quoi affaiblir, Moïse Katumbi, Bisika Zali, pour Moïse Katumbi. Yé, bah, y'a bien ça qui est, quoi, quand t'as ma aventure, la fatigue, à qui la qui bat tout aimé. C'est quoi, l'élo? Et comme il va zonger, là, est grave. Alors, moutounaye, kalomba, le bien, ah, n'est-ce pas, quoi, là, danger, Zali. Tikana ya wali samba una télé 50 kuna ake osa l'interview api susu na télé 50 wa Jean-Marie Kasamba et bino tubo ebi ke Jean-Marie Kasamba zani muta Joseph Kabila. Ah, l'aventure du Congo est grave. Alors donc tokolobela yango et puis tokolobela n'est-ce pas hein tokozo ya moi mukie arrestation yango imununda po makambeze bele kote kuna akatanga. Donc, tu mega peu que voir et en haut pour toi, bah, qu'est-ce que nous allons dire ici? Alors, sans plus tarder, je sais que vous êtes si nombreux à nous suivre ici, peuple congolais, bah, bonjour, toi, bah, bonsoir, nabino, nous, surtout, vos alliés, vraiment, bonjour, Lukiba, Bernard Mvondo, Siteke Mubiala, Trésor Kimpiamba, JMK Pro, Sylvie Boukou, Blaise Lukeba,
Estrella Bernardo, voilà, Estrella Bernardo, il y a aussi Bacana, voilà, Lumière du Monde TV, Igo Gérard et Ala Kisoki, Joe Kabumba, Yossil Marlene Moore, voilà, nous avons encore Regina Mabeko Kwaba, voilà, nous avons Youssouf Ndanga, il y a Aigle Ranger, Moïna Jojo, voilà, il y a Banza Kikuji, il y a Asha Hamazani, Blaise Lukeba, Pierre Bansoutou, Jerry Kilumbu, Alphonse Mpaï, Dogra Kalombo, Fabrice MM. Voilà. Congolais à la Mayele, De Wilco, Bitulo, Fabrice, voilà. Marie G. Bassoa. Voilà, en tout cas, merci Samuel Bruno, voilà, merci beaucoup. Nabino tout lui plus, merci beaucoup. Nabino tout boza kolandana bandeko bakoya ko région de Bisso après awa. Alors voilà un peu oyo na koyi kotanga bakombo nabino. Na ndenge toza nabino na émission, on est dans la famille. Alors rentrons maintenant dans le sujet du jour oya makasi. Nako bandana n'est-ce pas na point oyo oyo eza ya makasi awa ezali n'est-ce pas une minute point oyo eza vraiment makasi awa tuku banda na yango voilà on va commencer voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer ici? Rubanda n'a point Oyo et les kaki fermeture du grand marché. Le vendeur et le commerçant disent non. Alors, bah, vendeur à grand marché, bah, boui na bango, bah, kanga grand marché, bah, ou te ko sa la maman na manifestation lelo, na ville à Kinshasa, et ils ont demandé à Gentiline Ngobila, atika bango bate kapo, baza na bisika ou kete kate, baza surite ke bisika wana, ou bazo kotin da bango ba kete kaso, ba ke kote ka normalement, ba kote ka bien, yango na basali ba manifestation, lobby, mais, la, ba kena yina hôtel de ville, basali manifestation, Gentiline Ngobila atindi la police, a beti bango, bah, la gaz lacrymogène. Alors je ne sais pas ce qui va coïncider. Bah, maman n'a pas oublié la rater dans le tomboka. Et nous allons voir ce qui va arriver. Ce qui va tomber, qui y a makasi, y a grave. Si noté, on va voir la suite des choses, comment cela va se passer. Alors, de l'autre côté, à Lubumbashi, là-bas, peuple congolais, il y a encore les désordres qui continuent suite à l'interpellation de Muto Yanani Ngoi Mulunda, où il a interpellé qui depuis hier. Alors batumsusu na katangakuna basepela kite. Alors batumsusu basepela ki. Alors suite ya ba déclaration ya pasteur Moïmulunda peuple congolais Ambujima ilaba et plutôt au Katanga là-bas bota la vidéo oyo comment le genre de l'UDPS bakenda ko sakaje bureau moko il paraît arbitrant bisika Moïmulunda na ebité hôtel de ville nini oyo bango bataille des pèses bakenda ko buka kuna suivez cela peuple congolais suivez cela de tout un bâtiment déjà achevé il ne reste que des murs à vitres cassées. Le siège provincial de Balouba Ibukata, situé au croisement des avenues Munongo et Jean-Félix Damtine, a été sérieusement saccagé ce mardi 19 janvier 2021. Pour les membres Baloubakat, ce sont les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Venir détruire un bijou, non, c'est pas normal. Kuingia hivi wanavunja, barewe vitu ya watu manguo na makuta na viungu, makalashi wanapasula. Des accusations rejetées par le jeune élu de PES pour Danny Kabongo, président provincial de jeunes
il faut chercher les ennemis ailleurs et pas à l'UDPS. Ce qui m'étonne en est que la jeunesse maintenant de l'UDPS vit partout. Je ne sais pas pourquoi, dans ce qui s'est passé aujourd'hui le matin, la jeunesse de l'UDPS doit être citée. Nous, comme un parti politique, comment on peut avoir un problème avec l'association Boulevard et Bukata? La jeunesse de l'UDPS est composée de tout le monde. Parmi les jeunes que je dirige, parmi même l'équipe dirigeante, il y a les jeunes Baloubakate. Difficile dans ces conditions d'évaluer les dégâts matériels. Le jeune Baloubakate en appelle à l'autorité provinciale pour une assistance. Gouverneur de province, honorable Kavulakatoué, toi l'homme salama mouinontanda. Tula lomba salama mumukini, atuna na adua ta moya, atuna ata kukote a tribalisme ata yanini. Pour cet acteur politique, le moment est mal choisi. Le jeune doivent cultiver le vivre ensemble. Tolingi et l'ogama bekuma na katanga te, kasaen, katange, mukongo, équatorien, bakongo, biso tout, tout ça ba congolais. Okoyo loba te ke katange zapona tel, jamais nous. Ce qui se passe à la province du Katanga là-bas, binomoko boyebi, situation ezo okende mabe na Congo parce que bakanga kingo imulunda, bapopongo imulunda tenaki, c'était incendiaire. Alors pour répondre à Ngoï Mulunda, le jeune Jean de l'UDPS, il casse là-bas au Katanga, ils disent que c'est pas nous. Mais là-bas au Katanga, ils ont nié que c'est pas eux. Maintenant, revenons à Kinshasa, ce qui peut être Zabamote. Parce que non simplement ils ont fait ces désordres au Katanga, même à Kinshasa, ils sont partis encore devant l'église de Ngoï Mulunda pour essayer un peu de casser ou bien de détruire son église à Kinshasa. Regardez la vidéo. C'était à Kinshasa depuis hier. Le jeune Jean de l'UDPS sont partis à l'église de Ngoï Mulunda. Kenaki na église à Ngoï Mulunda. Propos contre Fachi. Alors, ils doivent s'apprendre à son église. Kenayukuna et les fidèles Nenge Bozako Mona, Mutna Mutu, Tula Moussiwa Zaza, Alukindela Oyo, Akoki Melapo. Qu'est-ce que les gens vont faire? Regardez la suite de la vidéo. D'agir de l'UDPS Bino Touboye Biango, c'est ça. La violence c'est dans l'UDPS. Et pourtant, ils nous disent que c'est un parti de la paix. Mais pourtant, la violence au Congo là-bas, je vous dis, si vous osez à dire que Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir, je crois que le lendemain, au moins, on a déjà Baboukinda Kunayo. Et les gens là sont prêts, Bakoya Penanda Kuno Bachango Penamoto. Les gens là de l'UDPS là de surtout les Wewa là, il y a un moni batwa benga bango ba taliban parce que comportement na bango na caractère na bango eza relaxa pena ke bato baza ba véritable taliban.
Ils ont la brutalité, la sauvagerie, je sais pas, il y a des mots qui manquent, il y a qu'à qualifier méthode nabango ya coopérer. Ngoyimo Lunda et si bakangiye, il a tenu des propos incendiaires. Il est au moment où je vous parle, ce groupe nabina la xabino ba image ya Ngoyimo Lunda déjà bâti bâtié na casa pakuna, il a été transféré na casa pa. Ouais, voilà les images ici. Ouais, puis Ngoyimo Lunda ngo déjà comme qui na casa pakuna fala ki kutu na tangi la bino lo Congo. Voilà les images yango yo peuple congolais soki bokoyi kotala awa, vous allez voir que Ngoyimo Lunda yewana oyo na casa ya casa pa na prison kuna ya casa pa asa comme ki casa pa soko yo na boke boke église na eponani. Bon, ça, c'est pas normal. Sinon, surtout, on a pour Félix Azar président. Non, maintenant, la violence, à l'IDPS, c'est autorisé. Si on a atteint le combat Félix, on va pas vous arrêter parce que c'est votre Félix est président. On va pas vous arrêter. Mais ceux qui ont fini Kabila, allez, si on a fini Félix, mais maintenant, si on a fini Kabila ou bien fini Moutoumoussou, là c'est normal, on doit acclamer. C'est comme ça qu'on appelle l'état de droit? Non. Non, ça c'est vraiment grave. Ngoyimo Lunda, ça, comme qui n'a qu'à pakuna, peuple congolais, ou Sengela qui a à la juger. Alors, Ngoyimo Lunda, Biska, il y a qui va juger, à l'obi du Soussou, à l'obi du Soussou, image l'obi du Soussou, il y a Ngoyimo Lunda, n'a qu'à sa pa, entouré avec ses avocats. Azala ki entouré wana komi na kasa pa na ba voka na ye ba entouré ye pona ko fortifier ye ko pesa ye moi courage na oyo e ko kikoya. Même sa femme vient de faire une déclaration de ce qui s'est passé là-bas na kasa pa. Moi si Ngoyimo Lunda alobini ni awa na ko yotangila bino awa peuple congolais lichi prison centrale kasa pa 19h15. Le tribunal vient d'arriver pour juger pasteur Mulunda. Le pasteur demande d'être jugé demain matin. Il souffre d'hypertension et ne peut quitter sa cellule pour une audience à 7h. Donc balinga ki basambisa d'urgence. Alors Ngoyimo Lunda abi akoko kolongwa na salle na été na butu wana et asengi ba sala audience na ye le lendemain matin. Mais sa femme fait encore des révélations sur ses conditions de Ngoyimo Lunda na prison kuna ya Kasapa. Qu'est-ce que la femme de Ngoyimo Lunda nous révèle ici? Après l'enlèvement brutal hier 18 janvier 2022 de mon mari, le pasteur Daniel Ngoyimo Lunda Nyanga, vers le bureau du directeur adjoint de l'ANER chargé des opérations où il a passé la nuit dans un fauteuil après une interrogation traumatisant conduit par le Redoc lui-même assisté de ses subalternes pendant plus de 2 heures sans avoir rien mangé depuis le matin. Ce matin du 19 janvier 2021 à 11h, il a été conduit au parquet où il a passé un peu plus de 2 heures au cachot. Du cachot du parquet sans aucun document du procédure et sans être entendu, mon mari a été de force poussé dans un petit minibus coincé comme un vulgaire voleur. Il y avait 9 agents dans le petit bus et le pasteur était là, la 10e personne coincée entre 2 agents. On l'a amené manu militari à la prison de Kasapa avec un document de l'ANER et nom du parquet dans ce document d'une page. Il est écrit détention de 24 heures pour raison d'enquête. Je voudrais que l'opinion retienne que cette première nuit en prison de mon mari est soutenue par un document de la mère et non du parquet. Voilà, Ngoyimo Lunda, comment sa femme a zakoulé la monoua mboka, nenge, mobali naye bakangi yekuna, accueilli prison. Amen. Le monde, c'est en enfer. Ngoyimo Lunda, tant que yébande okumisa Joseph Kabila, Kabila sala batuma ben abele na kata Congo. Ngoyimo Lunda va pouiller ma belle à Kabila. Ngoyimo Lunda peut se rappeler après l'élection de 2011. Il peut se rappeler de ça, ce qu'ils ont causé aux Congolais. Si le Congo est en Abissika ou aux Ali de nous, c'est nous surtout présents à Ngoyimo Lunda. Ils font partie du malheur du peuple congolais. Nous, quelque part aussi, le malheur de foi est bon. A quel âge la tana Kasapaona, a yoka solo ya Kasapaona, pour comprendre de peu que non.
bah oh bah on va s'en aller quand t'embo qu'on a trop sur trop et y a moins d'embo qu'on est kufa bisika et autosali lelo ayo kata solo akasa pa ceux qui va boti kaye tant mieux ceux qui peuvent fatiguer béton qu'on coincer tant mieux mais malheureusement pour nous ils appellent bonne nouvelle pour yepe a senti oh yo bah on va s'en aller batou oh Kabila s'en aller batou dans les années passé peuple congolais. Mais nous interdisons que les gens s'apprennent à sa famille, que les gens s'apprennent à ses enfants, que les gens s'apprennent à ses biens. Il a fait des déclarations politiques, ceux que vous jugez politiquement, vous condamnez politiquement, tant mieux. Mais ne touchez pas à ses biens, ni à sa famille, ni à son église. Là, c'est autre chose. Alors l'IDPS doit avoir la tolérance. Côté wana pour brutalité wana ya salité bozaka na wana jour mususu bo kende biska mususu bino boye na brutalité ba beti bino masasi après bo za susu batali boso bo bo ba no tribalisme. Quand vous cherchez des problèmes, vous êtes les premiers. Quand les gens vont réagir, oh no tribalisme ba lingi bi sauter pour Félix Tshisekedi a commis président. Mais regardez les actes que vous posez. Ah balobi balobi makamba Félix be balobi makambu ya balobi makamba Félix be balobi makambu na yo zozo moto zokende. Tamu yo moko zokende na moto wana po ba pesi yo soki mo makaribira. Est-ce que tali famille na yo, o tali bana na yo, banda Félix a komi président yo so zuni. Voilà, peuple congolais, ce que nous pouvons dire à ce sujet de Ngoï Mulunda. Et je dois encore annoncer ici peuple congolais, voilà, on nous signe, voilà, Ngoï Mulunda à Komaki, na Kasapa. Et ici encore, il y a une manifestation qui vient de se passer, na Kwanini Awa, manifestation, et où tu connais, Kamususu, Amakasi, voilà, bah, étudiant, il y a Goma, bah, Tomboki, bah, Sengi, reprise de cours, faisons-la. Parce que, bah, on va se comprendre de Corona, vaut mieux que ça, la souris distance sociale, mais, bah, on comprend de pourquoi t'il est là, bah, on va se comprendre de baba, les ako ça, là, bloco, tout ça, fonctionner normalement, mais ils ne veulent pas que les étudiants reprennent les cours. Alors, qu'on a, bah, Makoutou, bah, ça, le roi, bah, Kinoata, pour, bah, Kinoa, bah, ça, le roi, bah, peur, bah, ça, banga, banga, t'as la kuna, bah, bloqué, banzela, bana goma kuna ba so do on dire na un monsieur pendant to signer pendant la tobika capital e comme goma mais so capital e comme goma fachaza na 48 heures te histoire politique stili mais la ki kuna yo kama sangana ba bière et lo ba congolais ba biga yango wana et puis ba juro yo ale ba ko développer na ba internet mitakala kaka be mission ba fiba komi ko s'exposer na bango mitakala na internet ce qui fait plaisir je ne sais pas donc tellement passé les kina mboka les gens n'ont plus rien à faire alors les gens pensent que sur na sali vidéo ya mutakala ba bakola na ngobele na YouTube na kozo mbongo donc vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays vous avez des regrets par rapport même ba série biso to bimaki Congo na auto zo mona lelo so ezo ko lekela mais nyo surtout wana faute banane ya bino moko ba kinwa regardez a goma na ba. Les gens ont barricadé. Par lui que Fatih Beton, ils ont dit sa classe à Tika Baventir na yo, sinon te go bebe la bisou. Alors, la police a tiré, mais le go matricien, en tout cas, bah, on va sa canarate. Soyez go yinde yindi gamba la mort histoire ici. Ah, on a Congo koutou badbak, na kin koutou badbakou fana bangote. Mais telle n'engue balinga go manifeste te. Hein? Mawatro peuple congolais, wana ezalaki image ya Goma. Et je dois vous signaler encore, nous venons d'apprendre que suite à la pression diplomatique et suite à la pression des médias, oyo ya biso tobutaye kotia awa, nous vous annonçons la libération de nos jeunes frères et sœurs de la Lucha retenus par la prison de Beni, bangonon surtout, le tribunal militaire garnison de Beni Butembo Nord Kivu a acquitté ce mercredi 8 janvier 8 militants du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha poursuivi depuis décembre dernier à Beni. Alors, bah où tu potes la charge, bah bique, ils ont les éléments, oh bah condamné qui bah on libosso à 10 ans de prison, en tout cas, bah élément ou bien bah biloko tout. Oh, bah, quoi, qu'ils aient, bah, moi, non, ils ont fondé, ils ont peine à fondé,
Donc et puis de preuves ezalaki nango te pour que bakatela bango 10 ans de prison. Donc voilà le pourquoi toba na ba congolais belé awa tant ozo landa media awa olandi information kabola yango po c'est très important de faire véhiculer le message. Tiens yango na groupe WhatsApp, tiens yango par exemple na Facebook, tiens yango par exemple na habité plateforme et tout ozana yango tindela yango soko ngo tindela même tout na Congo tout ça tinda ba mission parce que ezali tozo ko informer kaka yote. Nous sommes suivis ezana na mboka oyo ezana ba pays belé Europe. Ezala na bisabino déjà. Moi j'ai été visité par le service ya Maison Blanche. Je ne le cache pas. J'ai des documents. J'ai été visité par le service de la Maison Blanche. Ba tuna ngai, ba loba na ngai, na loba na bango expliquer bango na bi vous savez ce qui se passe chez nous. Bango moko ba loba na nga we know what's going on in your country, we know. And you have a freedom to speak Bango moko ba bisa nga ke tu as la liberté de parler. Mais j'ai reçu les gens de service de sécurité à Maison Blanche. C'est pour dire que ba loba ke tous les vidéos que tu postes, on connaît, on suit cela. Donc, c'est à dire, tout le monde va avoir, et ça va pas être la vie de la Congolais. Donc, voilà le pourquoi, Oyoki, Panzer en haut. Regardez maintenant, la pression, Fayou la pression, Kotonga pression, Bande comme Soussoumatier pression, Bande quoi Loucha, Bautu quoi quitter Bango, pour soigner la lobby, Maison Blanche à Koyoka. Nations Unies encore en Dayango. Malamoko babengi Kabila, babengi Félix. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça l'état de droit. Oh yo, bah tu retiens là-bas Congolais. Libérer Banawana. Tu le mobiles pour Nations Unies. Wanabi. Ah, soyez na tiki bana lusakuna. Et au pays ça faut. Allez, à quitter Bango. C'est ça le combat. Tout Sénégal, tout ça, la pote, tout Soudanais. Koti Kamuninga te na tanga passe. C'est ça comme on dit. Au moment de la guerre, un militaire a tigara Muninga na été. On est en guerre au Congo. On ne peut pas laisser les autres. Bakangi Bango, après deux jours, trois jours, Totiki Nabiso Koloba. Mawatro. Voilà. Alors, bon courage à Bandeko Alusha. Et nous disons merci à Fachi d'avoir compris. Yako libéré. Bandeko Nabiso, Bana Ya Lusha. Nenge Babimi. D'ailleurs, pour en sauter page Wana, Human Rights a été établi. Depuis Félix Tshisekedi a commis président de la République, il a fait les tableaux noirs. Il y a bato ba gangé la bato wa bisonde bato état de droit, bisonde toyebi droit de l'homme. Alors le Human Rights a tracé bilan ya Fatou Béton, mais c'est grave ça. Un bilan déplorable sur les libertés d'expression des réunions pacifiques et des médias en RDC. Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. Fati Béton, yo peux comme quand ba média, comme menacer ba journaliste, comme bêtise ba journaliste, ba procès, ba na louche, ba sa la marche, cotine dans la police, militariser le kolaka net aux akina kanambe. Vraiment, changement, oh, bah, Congolais, bah, le baki, en gros, yo, le baki, qui est dans le moment, là, bah, quand on a battuté, pour la marche, pour la fingi président. Mais c'est ce qu'on voit au Congo aujourd'hui. Ah, dire et faire, c'est autre chose. Voilà. Alors, voilà un peu, Otoki Koloba, de ce point, peuple congolais. Pour que vous compreniez Makambu Oyo et za koleka namboka nabisho. Alors avançons. Tovandi boye bande konangai Makambu Oyo le kana Congo zanga raté. On nous montre déjà Batuluko Boyer a tenu une conférence de presse. Batuluko a tenu une conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe dans la conférence de presse? Pour y écouter les gens à Fatou Béton. Maintenant, Kobi Mayaba Tilukwebo, il a dit quelque chose de très important. Alors, il dit que non, cette fois-ci, à l'équipe, étape supérieure. Étape supérieure, il dit que l'équipe. Alors, selon, il faut maintenant consulter ma partie politique
na ba regroupement ba chef ya ba parti politique na ba regroupement na bango ah sur ce a outi ko teni conférence de presse na les images sont là peuple congolais parce que ngana lobaka avec preuve à l'appui les images de la conférence de presse débattue le Kweboyangwana ndenge boza komona maintenant bati lukwe bona conférence de presse na ye alobi d'abord eloko osengeli bo retenir hein asali conférence de presse oyo alobi mbongo uti na poche ya mwasi na ye donc Fatshi Béton anomaki informateur mais nan la pesie ba moyen possible te oyo bati lukwe bo akokaki kosala conférence de presse asali yango na mbongo ya mwasi na ye nana yo toebi toebite avançons alors selon ce dire batu lukwe balobi boy le contenu de memorandum exprimé sera consigné par mon rapport final tous les préalables nécessaires ont été réalisés à rassurer batu lukwe bo avant de réitérer la paix pour l'adhésion à l'union sacrée de la nation asengi lususu batu nyonso tout ba zonga na union sacrée et alobi bakoki ko perdre mutuloko la Moïse Katumbi te et ensemble de Moïse Katumbi yango wana asengi bango ba zonga na kati ensemble pour que ba travailler ensemble et ba établir union sacrée na bango ah de l'autre côté peuple congolais l'Assemblée nationale parce que batu lukwe bo makambutu aza kosala awa objectif numéro 1 ezali nini ezali il faut faire tomber le bureau de Ilunkamba d'ailleurs peuple congolais selon le voilà nabi misela bino yango avana loba na loko na ngina loba awa avana loba ce que je voulais dire ici le député il y a MLC Awa, Jean-Jacques Mamba. Oyo Akoyisa Jean-Marc Kabundu a outi ko signé deuxième pétition maintenant tout cette fois-ci pour faire tomber le bureau de Ilunkamba. C'est un Kasaïen. Ilunkamba, c'est un Kasaïen. Bon, Jean-Marc Kabunda, fille Kasaïen aussi. Maintenant, Jean-Jacques Mamba aussi. Kassaya, mais du MLC. Elle vient de signer sa deuxième pétition contre qui? Contre maintenant le vieux Pépé Ilunkamba. Allez-y comprendre. Un membre du MLC, mais qui signe la pétition contre le Premier ministre. Un membre du MLC qui avait signé la pétition pour faire tomber Jean-Marc Kabundu. Un membre, retenez bien, un membre du MLC. Oh, deuxième pétition, Jean-Jacques Mamba a signé contre le bureau du gouvernement. Mais Azali Nani, il y a opposition. Azali Moutanani, il y a Jean-Jacques, il y a, comment on appelle ça? Moutoyo, il y a MLC Jean-Pierre Bemba. Donc, peuple congolais, par là, n'a signalé qui s'abîme photo à Jean-Jacques Mamba de côté ici aux États-Unis avec la main Mende. À ce temps-là, les gens m'ont dit c'est la politique, on n'est pas des ennemis. Jean-Jacques Mamba, il y a awa aux États-Unis, dans la main Mende. L'air, monsieur Zalaki, qu'on coincé par Facebook, il y a des Congolais, dans la YouTube, il y a des Congolais, au bazo de la politique, il y a Congo. Bakenda ti na Facebook na bureau ya Facebook awa na je crois c'est na Californie Jean-Jacques Mamba et à cette époque là azalai kaka membre ya MLC est-ce que Jean-Jacques Mamba azalaka député premier ya opposition ya Jean-Pierre Bemba ya MLC toi za mutu za ko sala casquette ya PPRD mais sous étant nakati ya MLC. Lisons la pétition de Jean-Jacques Mamba contre le Premier ministre Ilunkamba. Lisons cela.
Le député national Jean-Jacques Mamba a signé la motion de censure contre le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, contre l'avis de son parti, contre, écoutez bien, contre l'avis de son parti politique, le Mouvement de Libération du Congo en sigle MLC. Mais, dans une interview accordée à la rédaction de 7/7.cdc mardi 20 janvier 2021, ce tenu de Kinshasa a pour motiver sa position, affirmé que le gouvernement Ilunkamba a montré ses limites dans la gestion des affaires de l'État. Par ailleurs, le député Jean-Jacques Mamba a invité le MLC, son parti, à être réaliste dans la configuration politique en cours en République démocratique du Congo. Alain Koua, Jean-Jacques Mamba, président du MLC, bien qu'étant leader le plus populaire de la RDC, son parti ne compte que 17 députés nationaux. Depuis plusieurs jours, une information selon laquelle une motion de censure en gestation à l'Assemblée nationale est relayée par plusieurs médias. Cette motion de censure, d'après les informations à notre possession, est portée par le député national Chérubin Okende, membre d'Ensemble pour le changement. Selon plusieurs observateurs, cela fait suite à un refus du Premier ministre Ilunkamba de démissionner. Yepe Abakisi Oyaye, et malgré la vie contraire de son parti, le MLC. Parti MLC, aza la ligne de conduite naye, aza la ndenga aza ko travaille. Mais comment un membre du MLC a koki ko signé motion contre Nani ya MLC? Nala nalon de quoi benga, allo? Bonjour. Les amis de Moïse Katoumi. Papa, tu es en live, Awa. Au Binin. Voilà. Alors, il y a un kino, à Bengibiso, tu connais ça qui a une information, mais Aza Koloba, Makamoussou. Voilà. Donc, on a compris que non, on ne comprend pas, est-ce que Moutoyo, Aza réellement, Moutou est opposition, Azali na yemutu ya parti au pouvoir, mais Azako Salabagé n'a qu'à opposition. Mais si réellement le MLC, on nous dit qu'ils ont parti structuré, ils doivent mettre Jean-Jacques Mamba en dehors du parti. Parce que un monsieur qui prend des résolutions en dehors de son parti ne respecte pas l'hiérarchie du parti. Ne respecte pas l'ordre établi du parti, ne respecte pas la conduite du parti, doit se mettre du côté du parti. Soit il a créé parti politique naïe, botika ya kenda kende créé. Bon, tokota là, soit que zan ngo bajé à MLC, tokota là, suite nango nenge ngo ekoyera. Parce que ça m'étonne un peu de voir Jean-Jacques Mamba l'opposition à Zakojo. Mais si quoi problème dans Koloba, l'Assemblée nationale awa bato bacha ki mutema que Ilunkamba fa démissionner na ina malembe. Mais le PPRD bakaboni en deux na kozonga na côté wana. Ndambu bakoti na union sacrée, ndambu bazali na opposition. Maintenant ndambu oyo bazali na opposition, baouté ko signé trois motions de censure contre le bureau d'âge. Je vous rappelle, le bureau a signé trois motions de censure contre le bureau d'âge. Pourquoi va signer ma motion, Anna? Je vous mets l'information ici pour na boyoka banda vie wana mboso a commis président bureau d'Assemblée nationale makamunini aza kosala déjà. Regardez ici. 32 millions de dollars de excusez 32 millions de dollars décaissés par le bureau Mboso pour la session extraordinaire. Pendant que ça, la session extraordinaire, le vieux Mboso, Oyoana, a bimisi déjà 32 millions de dollars. Et nous apprenons, Azali Pir Mutuya, directeur de cabinet adjoint de Fachi Beton, Embrale Oana, ce qui est Embrale, Oazarana Félix Tshisekedi. 32 millions de dollars pour la session extraordinaire. Le président du bureau a encore demandé 2 millions de dollars pour voter la loi sur la ratification de libre-échange. A ajouté cela le 1,5 million à l'informateur.
écoutez, bota la mbongo nengeza kotambo la mboko. Bati lukwe boku na la conférence de presse na ye, alobi ke mbongo ya salali conférence de presse, elobi eutipa na ye moko. Mais pour na bakambutu esa ma na sambe national, ti bak bako mati makamba informate, 1 500 000 dolari kende ki nanzela ya bati lukwe bo. 2 millions de dollars pour avoir voté loi à ratification et à libre échange. 32 millions de dollars pour la liberté échange pour la session extraordinaire. Faites le calcul. Faites-vous le calcul. Révélation faite par Israël Mutombo. Faites le calcul. Maintenant, imaginez-vous, Bambonga Boye, et Zob Manakata Mboka, les enseignants sont impayés. Le fonctionnaire de l'État sont impayés. Bon, Congolais, mon on a zo baka ka. Soit on souffre, si le tout le monde a ba bêtise, zo les Gabonais ba montant mo bo inutile ko le blanc, c'est nous-mêmes quoi. C'est nous-mêmes qui acceptons des bêtises pareilles. C'est nous-mêmes. Tika ba tuana ba sakana na biso de ba sakana na biso. Ici maintenant peuple congolais, vous devez comprendre. Na Assemblée nationale ngo bisika o fele ba voter motion contre Ilunkamba, Biro, bah, Azak. Yeah, Bisika Felingi va voter Biro Kwango, peuple congolais, 3 motions contre l'Assemblée. Maintenant, moi, je vais tenir ma séance de Bongo et comme il me pèse à mon boulot. Première séance, les arrêtés qui vendredi, il y a semaine passée. Deuxième séance, il fallait ça à ma Lelo mardi et lobby mardi plutôt et raté les sous. Va rater les sous, va reporter en haut les sous. Normalement, je vous ai déjà expliqué ici. Le cola bureau Oyo, ils allaient frapper Naba motion, ils ne peuvent plus tenir des séances plénières. Bah oui, qu'on tenir sous la séance plénière. Maintenant, ceux qui m'ont dit qu'on tenir séance plénière, ce qui veut dire, il y a malaise, il y a un Il y a Sabé National. Si Koyo, ma pétition Oyo, Bango Bauti Kosala, Bako Tango Ape. Et puis, il faut compter les jours. Le autre comme il est combien? On est d'aujourd'hui le 20 janvier. Dans 10 jours ici, le mois de janvier est clôturé. Tokoti février. Bokoti sa motion. Bon voter motion. Et il faut aussi se dire les vérités. Pour battre sous soi, sous sous, battre ça pour comprendre ma cambote. Disons la vérité. N'est-ce pas que c'est le salama. Ce qui est là, motion et côté contre Ilunkamba. Par où les canaux vote, il faut pas voter. Ce qui, s'il arrivait que majorité va voter motion en a contre Ilunkamba, Ilunkamba a démissionné. À démissionner. Maintenant, ce qui nous campe à démissionner, à cause de la kakawana, momentanément, jusqu'à ce que passation de pouvoir et que ça l'a entré, il nous campe dans premier ministre Asika. Pour vide juridique, vide administrative et que ça l'a maté. Il faut qu'il soit toujours là jusqu'à ce que beaucoup voter premier ministre et beaucoup élire, beaucoup proposer bien beaucoup tcha premier ministre Asika, ne va pas la passation de pouvoir. Or, pour qu'on arrive par là, Ata bureau provisoire ne peut pas le bagage d'engager violation de la constitution au Congo comme en Angola la Black Kosalisa élection il y a premier ministre bien qu'on identifie. Or, pour identifier d'abord la majorité, il faut déjà bureau définitif et vendre. Ce que bureau définitif et Kosa Mamukoni, tu commis déjà le 20 février. Bureau définitif, élection en Ouzam colonie, et plutôt le 20 janvier. Bureau définitif, élection au Salam colonie. Maintenant, ce qui est bureau définitif à 6 élections, j'ai la majorité. Mais pour identifier la majorité, il faut revenir à l'Assemblée. Maintenant, pour qu'on revenir à l'Assemblée, il faut bureau et vanda. Vous voyez le temps, ça va prendre. Tandis que, il sera toujours là. Maintenant, ce qui est aussi ici, le premier ministre doit encore parler avant que Longwa na Ilunkamba, il faut que mon aïe dans l'Assemblée nationale à partir de la majorité. Wana. Donc, plus ou moins, ce qui est aussi RRT, dans le même cas de la Congo, pour éviter, pour session extraordinaire, les autres Misambo Mbele. Donc, ce qui vient de Mboso, dans la session extraordinaire, naïe, à celui-ci consiste à Makambo et tout est, pour qu'on y ait février. Au cabinet,
akokata wana moye basala sous ces choses extraordinaires vos alate et komiti base la ba député ba ozonga na mois de mars ba ozonga la musala na mois de mars alors so bazongi na mois de mars bo banda sko ba motion bo banda ba biloko ko identifier majorité. Vous pouvez avoir le premier ministre au mois de mai ou bien au mois de juin. Mois de mai ou juin, nous avons beaucoup de premier ministre à côté, il nous camba bini. Le vieux là est calme. Le vieux, il nous camba est calme. Parce qu'à ce moment-là, on a vanté tous les cas. Donc, pour le premier ministre à côté, dans le mai de juin. Et bon, si le premier ministre à côté, dans le mois de juin ou bien dans le mois de mai, à ça, il y a combien de mois pour assister à 2021? Peut-être 5 mois, 6 mois. Donc, au titre 2022, il faut réserver le budget pour organiser les élections de 2023. Bon, tant qu'il y a pour n'avoir ça là, social à peuple. Voilà la première leçon. Allons-y maintenant, avançons. Maintenant, côté Wana, on a tu peux expliquer, Bino. Tu vendis le sous sur Kaka, Namakamango, ou Ezako Leka, tu auras un audio et Bimel Bisho. Bon, là, nous audio, oyo, peuple congolais, et bimela kibisho, depuis hier, ici, et tomeka, ko, discuter, nabino, ensemble. Suivez, ces vidéos, ici. Voilà, le vidéo, oyo, et bimela kibisho, awa. Ya Jean-Marc Kabundu na ba député naye ayambaki suivez cela. On a une histoire avec eux. Ça il faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous de la telle que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Écoutez l'arrogance de Jean-Marc Kabundu, l'orgueil de Jean-Marc Kabundu. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Moïse Katumbi. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Jean-Pierre Bemba Ngombo. L'idée du grand parti MLC. Jean-Marc Kabundu a dit, vous de là comme vous êtes là, vous n'avez même pas 100 députés à l'Assemblée nationale. Ah! Ah! Jean-Pierre Bemba, Gombo, vraiment, Yom Tozala qui vice-président de la République. Moi, Moutouloko la Kabundu, excusez-moi, pas Kolobanatel, mais moi, y a Mabé. Moutouloko, Kabundu. Oh, les gens qui n'ont GD. Donc, deuxième graduat, quoi. Jean-Marc Kabundu, à côté de deuxième graduat, si quoi. Il y a des gens qui sont Kabundu, pendant que vous êtes de là, vous de là. Donc, yo, na Katumbi, toi qui fis gouverneur du Katanga pendant 14 ans. Kabundu, à ce moment-là, tout de suite, je les ai arrêtés. Jean-Marc Kabundu. Je les ai arrêtés. Kabundu, stoppé. Katumbi parle avec Félix. Kabundu, stoppé. Jean-Pierre Bemba parle avec Félix Tshisekedi. Ah, le monde est en envers. Ici, Batinda y a une vidéo. Tu sais quand la Sabine en haut archive, il y a Genève. Tant que Bazaki na Genève, il y a pour voter Makambuya Martin Fayulu. Regardez cela, peuple congolais. Pour que Bomona, le Bangouana, si on avait la présence de Jean-Marc Kabundu. Suivez ici, suivez cela. Bonjour, bonjour président, bonjour monsieur Kamere, bonjour président, bonjour président. Bonjour président. Ils sont là, les héros du Congo, on attend, on vous attend, on espère que vous avez un bon accord.
Il y a un bon accord, Papa Fayoulou. Papa Fayoulou, ok. Peuple congolais, est-ce que ici, quand elle parlait, on pouvait même écouter la voix de Kabound? Et c'est le Kabound qui boude aujourd'hui Jean-Pierre Bemba en face. C'est Kabound aujourd'hui qui boude Moïse Katumbi en face. Franchement, écoutons encore la deuxième audio de ce que Kabound Azako Loba contre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi na réunion Oyebazwaki. Écoutez comment Kabound Azako Loba na bango na pleine réunion. Suivez cela. Mawa, suivez, c'est la peuple congolais. Suivez. Comme moi, je me ferai défenseur de vos intérêts. Et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Il dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, j'ai leur dit c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux, là, tel que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous méconnaissez les efforts des autres. À dire, ah non, toi, tu défends l'FCC. Je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voit à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Les Congolais, ce sont des accusations graves au Jamal Kabound apporté envers Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. J'ai des larmes aux yeux. Ça me fait mal. Vraiment, niveau statut, Jean-Pierre Bemba, comment qu'il en a? Il pouvait se mettre à table le discuter avec Jean. Mais au moment que Félix Tshisekedi a diminué pendant Bakatumbi, quoi. À sa reine, la bango. Quand tu sors les Arakita, bon, Kamita, tout est, mais peut-être s'il y avait des discussions entre Kamita, tout, ou bien F. Bazaïba, Yé, Bakabound, là, on peut comprendre. Mais comment on peut amener. Là où Félix Tshisekedi parle avec Katumbi, là où Tshisekedi parle avec Bemba, parce que je me mets là-bas, Jean-Marc Kabound. Si c'est le minimisé, c'est le monsieur ne vous a pas pris en considération. Parce que là où vous pouvez traiter des choses graves, jamais Félix Tshisekedi n'a rien contre Jean-Marc Kabound à vos côtés dans la discussion. Mais non! Mais si Félix Tshisekedi a continué Jean-Marc Kabound dans la discussion à Bino, c'est-à-dire à comparer Jean-Pierre Bemba aux Sukon et à comme président, il y a Félix Tshisekedi à son Jean-Pierre Bemba aux années et Mona Kabound. Félix Tshisekedi à son Moïse Katumbi aux années et Mona Kabound. Il y a moins de monde dans la réunion à Benissina et Kabound. Aïe, comme le Bino, vous devez. Comme vous êtes là, vous n'avez même pas un député. Ah, le monde. Bon, en tout cas, la vie, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire? Binomoko Boyoki va audio. Bon, jugez Binomoko peuple congolais, l'orgueil et l'arrogance de l'IDPS. Mais ici, quand vous combattez Kabila, et plus de deux, il faut se dire des choses. Mais Jamal Kabound s'adresse devant les députés. Du FCC,
Bisika za koloba makambo wana liboso ya ba député ya FCC s'il vous plaît de Joseph Kabila. Jean-Marc Kabound, oublions que il y a cela à peu près quelques mois ici, Kabound a pleuré devant l'Assemblée nationale, ba débauchaye, ba benganaye, ba critikaye, ba lobanaye incompétent par le même député du FCC. Aujourd'hui, ils sont devenus saints, ils sont devenus de véritables alliés, et voilà comment on est critique et on est jure Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi devant la télé. Et ils ne se gênent pas, ba résister pe audio, ba tinde libiso yamo. Mawatu au peuple congolais, la réunion s'est tenue, Jean-Marc Kabound a démontré pourquoi il a fait ça. Et pourquoi il a fait ça? Ça, c'est un grand mépris pour Jean-Pierre. Oh, Biska Basala qui réunion à Bango, lobby peuple congolais, Ndenge Bozakomona, Biska Basala qui réunion à Bango, a lobby plus de 167 députés du FCC, Basala qui présent Nakati Yassalouana. 167 députés du FCC. Alors, Moutoubazolo Bako, ma président de l'Assemblée nationale, Yeyu. Yeyu, Moutapé perdé. Donc, Bazala Kiwana, Bangwana, Nengozomo na Bango, Jean-Marc Kabound Lobby, a redéfendre l'intérêt, Nyon Sotou, Yabatu ya FCC. Voilà le pourquoi 167 députés y a FCC bah répondu à qui présent na cérémonie organisée par Jean-Marc Kabound. Mes frères et sœurs, soyons quand même de grandes personnes. Comment se fait-il UDPS qui a lutté avec nous pendant 37 ans pour nous cause au pouvoir? L'UDPS qui se dit que Nazali parti il y a changement. A Kokiko s'aligner derrière plus de Nassimanae, plus de députés du FCC. Tandis que tous ici nous invoquons comment ce parti a détruit le pays. Mais comment se fait-il aujourd'hui, il est passé au pouvoir, Jean-Marc Kabound sans se gêner, Azobi Sabino ba Congolais, n'a qu'à défendre l'intérêt Nabino Batuya FCC. Ah, Congo! Ah, Mbokanangaye, ça c'est l'aventure politique. Bota l'aventure politique Nengezo Salama. Vous y croyez le FCC en plein pouvoir? Parce que le Congo a commis déjà 167 députés. Donc a commis majoritaire. Pour Katumbi et Kabound ici, même na Katumbi, Bosan a bino moins de 100 députés. Donc vous ne valez absolument rien. Donc FCC mutaza majorité na FCC na kata union sacrée. Donc il veut dire toko pesa FCC poste à premier ministre et au repère ça Assemblée nationale. Voilà la stratégie fait c'est ça sali. Comme ils ont plus de 300 et quelques députés, bah lui bah 170 députés dans l'Union sacrée pour qu'ils soient majoritaires là-bas, bah qu'on domine Bango et bah qu'on soit bah poste clé et bah tiki plus de 100 et quelques dans opposition pour là-bas contrôler les sous opposition. Regardez la stratégie Kabila sali. Il divise, mais pour mieux régner. Le FCC, maintenant, pour le moment, bah, juste sous contrôle. Il y a Nini, il y a Union Sacrée. Bon, si vous avez tout, oh, tout, tout, bah, sali. Kobuka, Assemblée Nationale, Bokeno, Kobuka. Ça sert à quoi? On n'a rien fait. Vous savez, nous pouvons tout dire ici. N'ayez pas critiqué qui te lobby, que j'en peux même pas, parce que, bah, Kemba Kikuna. Mais en même temps, comme je l'ai dit hier, le Jean-Pierre Bemba et le Moïse Katumbi viennent de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que Félix Tshisekedi continue son mariage avec Kabila. Félix Tshisekedi continue son mariage avec Kabila. Parce que si réellement Félix Tshisekedi avait fait le divorce avec Kabila, on ne croit pas que Félix Tshisekedi pouvait encore s'arranger ou arranger derrière lui le membre du FCC. Mais ce qui Félix Tshisekedi s'appuie et tout en rejetant catégoriquement ma proposition, il y a Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, c'est que son mariage avec le FCC continue. Donc, en même temps, on peut le dire que Basala Kimabe, mais en même temps, ces gens-là viennent de prouver encore devant l'opinion internationale, il n'y a rien à espérer
avec Félix Tshisekedi. Il va finir son mandat avec Joseph Kabila, tellement Bayoukana Kayango avant de bien dire Naban. Ce qui est là qui pénal pour la divorce, tout le monde a vu tout le monde à Kébiso Touye et à Tcheba tu as fait cesser Moupandi. Mais le col à Yalobi fait cesser Baza majorité à l'Union Sacrée, il faut oublier. Parce que Jean-Marc Kaboul, retenez très bien, retenez bien ce que je vous dis. Jean-Marc Kaboul ne peut rien faire sans l'accord et sans l'aval de Félix Tshisekedi. Donc tout ce que Jean-Marc Kaboul vient de pousser comme argument, c'est venu de Félix Tshisekedi. Et vous savez, à la politique, on fait l'hypocrisie. Tu batami le nasima, au tindi jamar kabundo aloba. Yo loba yango posunga na lobi, ba rozala gêné. Allez, yo loba yango, bimisa yango soba okende ba kena ba mou. Ah, ma watro. Bon, ba kabundo. Bon, c'est la politique du Congo. Voilà, c'est la politique du Congo. Nous allons encore dire quoi là-dessus. Mais de l'autre côté, les gens nous ont rappelé ici 10 choses au Sengeli Batouba retenir contre Batouya IDPS. 10 choses Nabango. Pour Naboye Bamakamba IDPS. Les 10 choses que vous pouvez savoir sur l'IDPS, c'est quoi? Attendez d'abord. Parce que Jean-Marc Kabundo a outegi pe ko répondre. Moi je dis à Moïse Katumbi, ta va pêcher au premier ministre. Bon, le balabo kendeka pour le Koso à pouvoir. Moi je pense que, na niveau boko minango, nandenge Kabundo a exposé bino en public. Vaut mieux se taire, vaut mieux bouvan nana bino. Alors, voilà. Maintenant, même le conseiller de Moïse Katumbi na outchukoyoka a répondre bango, a ebisi Kabundo nini. Le conseiller de Moïse Katumbi, voilà, le conseiller de Moïse Katumbi a s'attaqué na ba propos oyo Jean-Marc Kabunda outiko tenir lelo na audio na outiko Xabino. Le conseiller de Moïse Katumbi attaque sévèrement Jean-Marc Kabunda. Après les parlementaires debout, vient le tour de l'étudiant de GD, donc deuxième graduat, qui tente en vain de jeter le discrédit sur Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. L'orgueil de ces parvenus politiques qui luttent encore pour soins corporels va bloquer Fachi. Qui lutte encore pour les soins corporels. C'est grave. C'est grave. Mais tu le baran la bino makambo et Moïse Katumbi qu'on y a tâté, bo tchela rabi so tembe. Voilà les injures maintenant. Bo boube, bo bounda la bino, kante la bino. Moussous pe, abima ki a wana tout moro a wana la ksabino yango. Les injures et bandits graves, hein, et mati niveau, hein. Donc, et l'ongwe nan woko finga Kabila, et komi ko finga na, entre Moïse Katumbi na, na ba lié na e politique. Ah, Congo politique, et ça passe, hein. Moussous abima ki a lobi e. Qui est Kabundo de l'Union Sacrée? Initiateur, fondateur, formateur, recruteur, il a exactement quel rôle? Ah, gai politique à Congo, et ça m'a cambouandé qu'on a gai. Ah, Union Sacrée, non, vous l'élite. Tu as pas dit, oh non, biso te biko réfléchir, te. Donc, allez-y faire l'Union Sacrée. Nous, on est là, on est tenté d'observer l'Union Sacrée, comment ils ont avancé. Et en même temps, même Olivier Kamita, tout, il y a eu qu'on calme un peu, oh non, à ce stade, il y a récomposition du paysage politique, en est la logique arithmétique devant laquelle se trouve confrontée la nouvelle coalition en gestation, appelle beaucoup de retenue. Donc, en même temps, okay, beaucoup de retenue et d'humilité, l'arrogance et la fuitité du maître d'ouvrage délégué, n'ont aucune raison d'être. Wana zo abwa kelipe susu Kabundo nenga uchi kotake bango. Ah ga Union Sacrée. Alors voilà ce qui se passe là. Alors to ebite si Katumbi akoyoka makamboyo et que bakondi makozonga na Union Sacrée to ebite. Entre autres, on nous signale les raisons, 10 raisons à savoir sur l'IDPS. Il y a des bossos et Ali. Qu'est-ce que l'IDPS? Ils sont des saints. Ils se distinguent dans la traîtrise. Ou en aza traître. Il y a des amaboué. Bissot bata IDPS, toza propre, toza bassin. Ils accusent toujours les autres. Bango, trois. Bango kabakizaka, batmoussous.
4. Ils sont champions de la dénonciation. Bangonde va dénoncer à Batou. Ils sont irréprochables. On ne peut pas les reprocher. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. 6. 7. Ils ont la facilité de voir le mal chez les autres, mais pas chez eux. Bangonde va dire pas Batou Moussousou, mais pas la Bangote. 8. Ils insultent. Bangonde va finir à la sonité. Ils agressent. Na uchu kwa Sabino, tala kutu église ango imuru ndande bakenda kubuka yango. Wana nyoso IDPS. Et 10, ils se distinguent dans le fake news. Et baza somo, pona koloba, ba news ya lokuta. Wana nyoso tuba nani, ezali ba membre ya IDPS. Que vous devez retenir. Alors si Katumbi va faire son rentrée là-dedans, c'est son problème. S'il va pas faire son entrée, c'est son problème aussi. Alors, Tovandi Boye, Fatih Beton, Aouti Koyamba, délégation, il y a Paul Kagame, Oyewe Nakin. Tout ça, dans un moment de crise, Nakata Congo. Alors, délégation Paul Kagame, Yeko Salani. Première vidéo, tout ça qui depuis hier, Awa, la délégation, il y a Batouana Baboutaki, Rwanda, Baye Congo. Alors, tout ça, il y a Yango, délégation Utaki, Rwanda. Yango, suivez. Question liée aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les projets communs des deux pays ainsi que l'apport du Rwanda pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine sont là les sujets abordés au cours de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'accompagnait l'ambassadeur du Rwanda en RDC Vincent Karega dans son cabinet du travail au Palais de la Nation ce mardi 19 janvier 2021. La délégation rwandaise était également porteuse d'une lettre de Paul Kagame au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons discuté des questions de coopération dans tous les domaines, que ce soit des questions de coopération politique, que ce soit questions de coopération économique, coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et on a abordé tout ça et il y a des équipes qui vont travailler et aller dans les détails pour chaque secteur particulier. Juste après, le chef de l'État a reçu Soraya Akwaya Remier, ministre rwandaise de commerce extérieur, accompagné de ses collègues congolais Jean-Lucien Boussa et Akacia Bandoubola, ministre de l'économie. La célérité dans le commerce frontalier entre les deux pays. Vidéo ba utukomona ya Félix Tshisekedi akutani na délégation et outil Rwanda. Alors boyo kibino moko na matoi na bino que la délégation est justement pour traiter les choses oyo Italie n'est-ce pas Italie ba commerce extérieur ba bloc belé belé wana bango balobi. Mais maintenant si on veut avancer notre raisonnement plus loin ici pour que bo comprendre makambozo ko le pour n'abord comprendre, Oyo Eza Koleka, peuple congolais, la délégation du Rwanda, Oyo Eye Nakati ya Congo. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire et qu'est-ce qu'ils ont. D'ailleurs, Oyo Kina, le message na Bango, ils ont amené avec eux la lettre officielle en enveloppe de Paul Kagame. Oyo Baremetre et Paya Félix Tshisekedi. La délégation Yangwana, ministre des Affaires étrangères, qui vient de faire un déplacement en République démocratique du Congo. Je crois que depuis le Rwanda a essayé un peu ou basara harmonisation na bango la politique à Congo, c'est pour la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères rwandais descend à Kinshasa. Alors quel est le message au bango bamimi pour na ba pesa Félix Tshisekedi? Quel est le message? Alors, peuple congolais, soyez total dans mon journal Oyo. Ce que vous devez savoir ici d'abord, ils ont dit que pour porter un message personnel de la part du président rwandais Paul Kagame, l'émissaire Vincent Biruta a été reçu ce mardi 19 janvier 2021 au Palais de la Nation par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. L'envoyé spécial du Rwanda n'a pas donné le contenu du message. Il a simplement indiqué qu'il est lié à la coopération bilatérale et aux questions sous-régionales et continentales. Dans sa suite, pouvait être remarqué la présence du secrétaire général des services
graphiste de l'enseignement. Boyoka makambu oyo eyo délégation boza koyoka ekiti Congo oyo eye kokutana Félix Tshisekedi euti Rwanda. Bolanda bien. Balobi na biso d'abord envoyé spécial wana aye na lettre, na enveloppe. Batumiye, est-ce que ça message nini? Oh non, c'est un message spécial la chef de l'État wana ngana yebite etalika rabang. Deuxième de choses, mutu wana alobi nini ono ezaka makaba coopération bilatérale, question régionale et puis continentale. Mais na suite ya délégation na ye, na suite ya délégation na ye, on note bien présence ya secrétaire général ya service ya renseignement le général Joseph Nzabamwinzata de l'ambassadeur du Rwanda en RDC Vincent Karega, du haut fonctionnaire de l'Union africaine Donald Kaberuka Obayaki na délégation ana. Donc ça veut dire que la délégation que Paul Kagame vient d'envoyer vers Félix Tshisekedi ezali délégation ya Mukete. C'est un message clé que Kagame vient de donner à Félix Tshisekedi. Pourquoi Kagame a choisi d'envoyer tous ces gens de donner à Félix Tshisekedi un message grave? Balingi ba rappelé na Félix Tshisekedi boy. Makambu tout ezoko le kanaka ta Congo, on est bel et bien au courant. Tuyebi na biso makambu ezo salama. Tuyebi na biso makambu tout nengeza kokende. Mais il faut faire très très attention. Parce que nzela oyozo kende. Babiloko ozo lingo sala na suka ekobetela yo chita sima. En même temps, voilà pourquoi je vous ai mis dans le titre de l'émission les intimidations de Paul Kagame. Parce que comment na Kagame kotinda ba envoyer tout o ya tindi et pas ya Félix Tshisekedi. Et ça koyebi ça clairement que non, tout ça contrôler situation politique à Congo. Na ko rappelé bino encore une chose, vous ne devez pas oublier que Félix Tshisekedi après avant qu'on prête serment naïe avait envoyé une délégation au Rwanda. La délégation là bakenda ki na Rwanda bazala ki porter un message. Tout ce qui s'est passé là au Rwanda, on ne savait pas. Or, on nous signale encore, on nous avait signalé depuis les années, depuis le temps que avant Félix Tshisekedi comme président, non simplement à Salaka voyage au Bakuta na Museveni, basala dîner naye, il y a fête anniversaire à Museveni, mais Félix Tshisekedi avait aussi rencontré Paul Kagame au Rwanda, mais la ndenge akobata. Alors, nous surtout ça le calendrier na Congo, papa Kagame va observer, batali ndenge za ko kendele, balobi que nous devons mettre fin à tout ce qui se passe. 1. La situation de Minembwe et Zanakati à Congo. Vous savez que Azara Souberwa, un gars qui va l'ongoler dans le gouvernement, Malongwate, Azara qui voyage à Lukuta en Afrique du Sud, tant à Yoki Bakangi Roger Mbala, Azongi Mbangu Nakati à Congo. Tilelo, Makamba Roger Mbala et Zanaka suspendu. Vous savez que les allures, les accoquins de Félix Tshisekedi, comme Menasaka, Babiloko tout, ya Kabila, Babiloko tout, non, surtout, on a, ils ont reçu la bango bien, tu. Et les Rwandais, bah, ça, au moins, que non, moi, la mouba, yo, peut-être, à quoi, mes Kabiloko mouze, à mes kaka. Vous savez, c'est que mouza, mais qui, à mes kaki, bloko, à telemé là-bas, Rwandais, à telemé là-bas, Ougandais, quoi, ils savent, que non, bonjour, en ambo, canabino, le Congo, au Congolais, comme, vient de dire, Ngoi Mulunda. Ah, bien, il faut toujours aller devant. Nde ya mwana ba yeko tinde la Félix Tshisekedi message personnel oyo Kagame ye mo watinde li chilombo. Tozali bel et bien au courant. Bon, soki yo omoni ke osokoki. Surtout fubota la moment nini Paul Kagame a choisi pour atinde la Félix Tshisekedi message wana. La passation de pouvoir vient de se passer aux États-Unis d'Amérique. Paul Kagame atinde délégation na Congo na message personnel. Qui sont au pouvoir aux États-Unis maintenant? C'est les démocrates. Maintenant, ils sont venus dire à Félix Tshisekedi les aventures et Chili. La blague tout au Yosaraki et Chili. Tu dois te conformer selon la signature de ton deal. Parce que ceux qui ont voulu qu'on se conforme selon la signature de ton deal, tu dois assumer ce qui peut t'arriver. Les choses viennent de changer. Donald Trump, en deux, il y a
na Paul Kagame. Obi ke Kagame ti atikali ko bima ti Donald Trump abimi président États-Unis atikala une fois kaka kuta na kana na na Genève. Mais wana pesa kana cadre ba sommet ba G20. Ndi akuta na kana Kagame po Kagame seri wana azalaka président Union Africaine. Ndi bisika sera kaka Kagame loboko. Mais ba ti Kagame ko atikala susko ya maison blanche te. Ti Donald Trump passer ici 4 ans mandat. Là maintenant comme Joe Biden aza mtu na bango ba Clinton ba nanini atinde chilombo message so me ki turoyo yeba ki politique s'est changé aux États-Unis. On va maintenant agir. Donc yo zonga na nzela sili sa deal et puis okende ndenge to yo kana ki okende le message est là, le message vient de passer. Ya momoni ba tinde le na ba service de renseignement batinde lié Karega et Karega c'est un homme très dangereux. L'ambassadeur du Rwanda là au Congo, Karega, un homme très dangereux dans les services de renseignement, un tueur de lutte grave, Vincent Karega wana. Il faut se méfier de cet ambassadeur. Il a été chassé en Afrique du Sud parce que à Boma ba opposant il y a Paul Kagame. C'est un homme très dangereux, Vincent Karega. Paul Kagame a tiré dans Congo Pambate comme ambassadeur. Mais à Yogotinda sous ce service à renseignement, n'a lettre personnelle. Bon, Chilombo, ce qui est moko, à comprendre la situation au Kenya Congo Tamie. Bon, bah yebi peke a zarane pere, awa loko l'ambassadeur ya États-Unis bande ko kote lae, azolo ba sous te bozo, sous Vincent, nani, comment on l'appelle? Nzita zako loba. Nzita a komine calme. Nzita a komi calme parce que moi ça comprendre que non. Nazo ke ninanga kala mingi te na États-Unis na zako zonga. Donc à quoi sert bon que na luka lisusu ba désordre na kati ya Congo. Donc voilà un peu peuple congolais c'est que beaucoup ko comprendre o yo zako leka na kati ya mboka na biso et on a reçu encore na habité na ba document o na zo ki awa ce qui mo ba révélation sur cette délégation et ko ki kozala awa et que je puisse lire pour vous. Attendez, je vois ça. L'envoyé spécial du président rwandais n'a pas commenté ce message personnel. Il s'est limité à préciser que ce message est lié à la coopération, tout ça. À quelques semaines de l'inauguration de la Féka, le ministère rwandais a indiqué qu'il est bon à loi que les voisins échangent. Voilà, wana ndenge batuya ya Paul Kagame balobi, mais lettre au Kagame a pécié. En tout cas, à éviter. En même temps, ils appellent ma intimidation, surtout Félix Tshisekedi, la zone comme président Union africaine. Bah, si, bah, il y a eu ce message, il y a eu ma cambo au traité, na Union africaine, na oyoko traité, na Union africaine. So, il y a eu na loengé, na yo ma cambo Congo, na Union africaine. Ah. Pour éviter Oyo et Ko Sukelayo. Voilà, Moussous, Ezalakiawa. S'il y a une révélation, la révélation totale. Le président de Félix Tshisekedi a reçu mardi un émissaire de son homologue Paul Kagame, Messian Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération. À la tête du fort Nengana Sabino, ba Oyo, Bazalaki présent, na Katia Sal Oyoana. Donc Chilombo doit savoir l'intérêt de la nation congolaise ou l'intérêt de la nation rwandaise. Fera-t-il allégance à Paul Kagame ou Félix Tshisekedi a roulé dans la banque qui n'a pas dans un mobile? Alors, oh, tout beau ça, Koloba, n'a pas encore désobéir Nabino, Nango, on ne sait pas. Mais Kagame, peuple congolais, sera le Congo, Ayaka Pambati. Les questions. On a délégation, on a Ndenge Boza Romona, Yango, Yaba Rwandais, Oyo Bayaki, et pas Ya Chu Lombo, Ndenge Boza Mona Bangwana. Alors, si Kagame envoie quelqu'un dans le pays, Atinda Mutu Pambate. C'est un message par rapport aux désordres politiques, par rapport aux grimaces de Félix Tshisekedi, par rapport à ce qui peut arriver dans les jours à venir pour la nation congolaise. On croit que Félix Tshisekedi va être à l'auteur. Bon, on va voir ce qui va arriver. Na Mikolo Oyo et Zali Koya Bandeko Nangai peuple congolais. Voilà ce que nous pouvons dire na Oeza Koleka, na Katia Mboka Lilo, Eza Yangwana, Bishoba Congolais toyebi malheur à Congo. En voyant de délégations rwandais venir au Congo, ça fait mal quand même. Parce que nous subissons des morts, des tueries à l'est de la République. Alors, bonjour mon président Nabino,
azako sympathiser na mutu azako boma bino azobo mwa bandeko na bino azobo mwa bayaya na bino azobo mwa mama na bino azobo mwa papa na bino. Ça fait mal, ça fait mal. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi mutu pena zui mundu ki abomi mwa sina yeme mwa na ye. Félix Tshisekedi pena ozala pena courage ako sekisa ye ya ko yamba pe mutu na ye. Mais ça fait mal pour les Congolais. Comment on a peiné que non, moi on a été un Tshisekedi a voulu trahir mboka na ye na niveau aboy. Oh non, bino bolingi nini, wana ba taliban, bino bolingi nini, esa coopération ti, esa coopération bolingi kato za la benemi na Rwanda timu kolonini, Allemagne na France basolo la te. Mais avant que l'Allemagne et la France basolo la, il y a eu d'abord justice. Commission justice, bah kanga ba auteur, oh bah sala bilo kwa nazi, même ti lelo ba continue à kanga bango. Justice c'est salami, réparation et salami, allez amitié franco-allemande et zongi. Mais na kati ya Congo, justice contre le Rwanda, bah auteur bah sali ba massacre na Congo, ça n'existe pas. Et jusqu'à présent, bah zo continue koboma ba congolais. Alors, Félicien Labino, azo solani na ba Rwanda wana et azo koseka. Ah! Quelle trahison, quel mépris. Mais habitant, mais alors on s'ouvre na vite au rappel à un gars qui a vidéo tout ça romana. Comment est-ce que la une un président de la République et surtout moi Étienne Tshisekedi wa collabo et le banan au congolais azo ça l'aventure wana na katiambo kanabisho. Ça fait mal, mais on va dire quoi, peuple congolais, nous devons que supporter oui aussi toloba tolundima yango Kabila à Salabisho. Et toi, qu'on vende le sous na souka pour le peuple congolais, une photo, bah, il y a une photo, mon coup. Photo, on a un nini. Fachi Beton, banda comme président à Congo. Ah, bande gonangai. Batupena, basali, encore congolais, ma casse na recherche. Basali, recherche awa, batali. Batali veste au Félix Tshisekedi alati. Batali bandana likolo veste wana au alati ensemble wana. Montre ceinture na sapato alati na montre wana. La valeur totale nango ezali 25 000 euros. Au Félix Tshisekedi abimisaki alati 25 000 euros. Juste pour na koya ko sala messe au basalaki ya musée Kabila, 25 000 euros. Alors, Batumusus Balobi, mais pourquoi ça vous gêne? Président de la République, Akola Telamba, 25 000 euros, même il y a 100 000 euros, et ça, problème est un. Ah, je ne sais pas. N'habite. Bon, n'a quoi, président États-Unis, basana ba sapato mo balata. Sona l'exhibition wa marque ba sapato wana, eza cher. Mais na sona bi sapato wana jamais ko coûter même 5000 euros, 5000 dollars. Oh président États-Unis la ta. Jamais ko coûter même 5000 dollars. Sona la ba veste o ba président États-Unis balata, eza ba veste cher. Mais jamais ko le ka 10000 dollars. Parce que l'Américain, soit mon président, la banque, comme la tableau, quand on a, bah, qu'on critique, bah, qu'on critique, est grave. Nous plairons, non? Mboka passe les alliés. Nous plairons, non? Peuple Azola Lanzala. Félix Banda, comme président, a son baba Weston, mabe. A son baba Crocodile, mabe. A changé ma veste na kata présidence, mabe. Et puis, son botali. Temi naya zolata, c'est comme, ce n'est pas digne d'un président de la République. Aza ko s'habiller comme un sapeur. Et le kola moutou moko bande ko rêve, moko na oko ma président, moko vivre ba sapatou na ba veste, na ba montre, na ko la kisabino. C'est ce que Félix aza ko sala. C'est-à-dire, vous vous sentir que moutou na vie, c'est comme si, à mon capacité, parce que Moutou est mon passe na vie. Ouais, il y a mi passe ya mbongo. Ouais, il peut passe ya ba pauvre. Avant la téloko, il faut raisonner. 25 000 euros, ngai président. Son a son veste à 1000 dollars ou bien à 5 000 dollars. Son je suis président. Même si je m'habille à un veste qui coûte 5 000 dollars, ça dit absolument rien. Même si on a la veste, ils ont coûté 3 000. Attends, la
tes sapato zo coûter $100 na makolo na ngai nana koyeba ke sapato na lati za $100. Mais prenez l'exemple de Mafuguri, le président tanzanien. Bon, ce sera exemple le président tanzanien, la façon dont il s'habille. Ah, laissons tomber. Laissons tomber. Et ça passe. Et les gens vont acclamer, ça est le côté. On a fait sa jalousie. Nabilamba pe bozoloba. Ah, Congolais. Bon, faut que tu aies la tenue où Emmanuel Macron à l'attaque, veste Emmanuel Macron à l'attaque. Ce que tu as n'a pas pris dans le calculé, et qui même pas 5 000 euros. Oh, bon, juste sa patte Emmanuel Macron, veste Macron à l'attaque, bon, ce que tu as calculé en haut, et qui même pas 5 000 euros. Bon, laissons tomber. C'est ça, hein, l'homme noir. Il y a un monitoré ici, ça a été, il y a un monitoré. N'a pas entreprise à quoi réussir. Parce que ce qu'on a su, et l'on a dit Bosso, il faut mettre la qui. Voilà que ça a bien qu'à su. Vous savez, on habite sur la robe et la bine loco. Vous savez, la culture des Américains. La culture des Américains. Les Américains, basant la culture moko très différent. Mes frères, au conseil d'une entreprise n'a pas américain, le patron de l'entreprise a yé. Azo salamu salamu kona bino batuza pamba. Il se met aussi à travailler avec vous. Et puis soka ye, aller na veste té, boko mona aye na chemise, aye na peut-être na jean ou bien aller même polo ya pamba. Ah, les Américains ont un comportement, je vous dis. Non, et ce sont des grands bosseurs. Et le patron de l'entreprise boko mona ya koti pena musala, boko ye baté, so ba bisi bino té ke wana patron boko ye ba pété. Aïe, peu à ce soir, on a bino. Et mon père, mon maman, elle lunch. Mon maman, on te lia, bah, lunch, n'a bisso. En français, on dit quoi, lunch? Mon maman, on te lia, ganeti, bonjour, repos, bon, ibolia. Bon, mon, aïe, pas lié. Aïe, peu, n'a vendi, n'a bino. Azo, lia, n'a bino, azo, c'est, azo, soir, n'a bino. Ah, deni, moussala, koto, aneni. Ah. Et puis, au moins, manager, ou bien superviseur, allez, mis sa patron, hein. Patron, son sala n'a bino, superviser la team du patron. Oh, est-ce qu'on cause une mère et le quoi les a côté qu'on était? Patron, eh, ok. À quel pas y a un petit superviseur? Ah non, les Américains, non, ils ont un comportement. Je vous assure, au moment l'entreprise, il y a un coup, il y a un continuer en haut. Il y a un coup, il y a un continuer en haut. Mais regardez Félix Tshisekedi, juste à peine d'être nommé président, regardez ce qu'il fait. Le boom, l'oisure. L'argent de quoi? L'argent des contribuables. Bon, comme il reçoit plus de 2 millions et quelques dollars par mois, jusqu'à au tiens moi zalité, tika alata, oyo nanu alata te na vinae. Merci beaucoup, nabino tout pour assister. En tout cas, bisous na live oyo peuple congolais. Et zala qui mamouke oyo de singula qui tout partager nabino pour na pour comprendre ce qui se passe chez nous. Alors nous au nabino. Na vidéo moko et où tu koleka na Katanga kuna le député Katangé en colère en tout cas basengi libération yangoi Mulunda. Suivez cela et on se retrouve prochainement. Ciao. Déclaration du rassemblement de députés Katangé RDK en sigle. Nous députés nationaux élus du Katanga regroupés au sein du rassemblement de députés Katangé, RDK en sigle, réunis en urgence au Palais du Peuple ce mardi 19 janvier 2021 pour examiner la situation qui prévaut dans les Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, précisément en rapport avec l'enlèvement du pasteur Ngoyi Mulunda dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021. Par des agents de l'ANR envoyés par les rédocs de Lubumbashi. Considérant que cet enlèvement crée de frustration et désolation dans les chefs de filles et fils de l'espace Katangé, à savoir les Olomami, les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoyi Mulunda, digne fils du Katanga
et exigeant sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur, l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action des grâces du 20e anniversaire de l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier 2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tous citoyens congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays. Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons que réparations soient faites. Dénonçons en outre ce qui se passe à Kasumbalesa, où il est observé également des actes de vandalisme, des viols, des tueries, des pillages, ainsi que la chasse aux Katangais sur leurs propres terres ancestrales. Sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le traitement de ces dossiers pour l'émergence véritable d'un État de droit. Fait à Kinshasa.